Comme nous l'avons annoncé hier, nous avons l'immense honneur d'accueillir ce matin M. Hassan Omar Mohamed Bourhan, ministre de l'Intérieur de Djibouti, qui prononcera une allocution au nom de M. Ismail Omar Guelleh, président de Djibouti. Je vous donne sans plus attendre la parole, Monsieur le ministre. Avant que le ministre ne s'adresse à nous, nous allons visionner une projection vidéo. Djibouti. Les corps de 12 jeunes hommes sont trouvés côte à côte en bordure de route. Les jeunes hommes, tous des Éthiopiens de moins de 20 ans, portent des shorts et des débardeurs tachetés de poussière et de sang. Leurs effets personnels sont limités à un sac en plastique avec quelques objets personnels et une bouteille d'eau presque vide. Les conducteurs dans la voiture qui passent à côté sont attristés, mais pas surpris. Ces jeunes hommes sont une infime partie des milliers d'Éthiopiens qui se dirigent vers l'Arabie Saoudite, où ils espèrent trouver du travail. Ils se rendent à Djibouti à pied, puis au Yémen en bateau. Au Yémen, les migrants payent des passeurs avec l'espoir de se retrouver en Arabie Saoudite, mais peu arrivent à destination. Djibouti. Une petite nation désertique d'un peu moins de 850 000 habitants a enregistré une augmentation du flux migratoire vers le golfe d'Aden et au-delà. On a également constaté une augmentation du nombre de migrants morts ou en détresse au cours du périlleux voyage. Nous sommes à Obok, une petite ville portuaire du nord de Djibouti qui est devenue un carrefour pour les personnes en destination ou en provenance du Yémen, un pays ravagé par la guerre. Au cours des jours, voire des semaines, avant la dangereuse traversée de la mer, les migrants cherchent de l'eau potable et mendient auprès des populations locales qui sont devenues moins accueillantes en raison du flux sans interruption des migrants. Mais tandis que les Éthiopiens veulent voyager au Yémen, des milliers de réfugiés yéménites arrivant dans l'autre sens échappent au conflit dans leur pays. Les réfugiés yéménites, qui voient souvent des migrants traverser leur camp, ne comprennent pas comment certaines personnes seraient prêtes à aller volontairement vers le cauchemar auquel ils viennent juste d'échapper. Les combats au Yémen ont été sanglants dans de nombreuses régions du pays et de grandes parties des villes ont été rasées par des bombardements et des attaques à la roquette. Ismaïl et une douzaine d'autres jeunes de son village dorment sous un arbre dans la périphérie de la ville en attendant que les passeurs les fassent traverser la mer. La majorité de ces migrants ne savent pas qu'une guerre est en cours au Yémen. Ceux qui savent espèrent que le conflit au Yémen rendra leur voyage plus facile pour se déplacer, mais le trajet n'a jamais été aussi dangereux que maintenant pour les migrants et les expose à des risques d'abus et de violence. Les migrants paient environ 12 000 birr, 530 dollars, pour se rendre au Yémen à bord de canots pneumatiques ou de bateaux en bois surchargés. Beaucoup de migrants ne savent pas nager, et le Bab al-Mendeb est connu pour sa mer agitée. Près de 3 500 personnes ont perdu la vie pendant la traversée au cours des 10 dernières années. Cependant, on peut difficilement comparer les dangers en mer à ceux auxquels ils feront face au Yémen. Les passeurs les détiennent contre une rançon considérable pour les familles laissées au pays, car elles sont souvent obligées de rassembler une somme d'argent importante en peu de temps pour libérer leurs fils et leurs filles. Saoudi
كيماني وصلوا الحسين بيت يعني بيت الهوالة على تقمتنا 15 كان يقولوا ارسلوا فلوس يعني برامتو برهاولو بر يالو هيدا البر يالو يقمت اللي سقيال مقب يلم منيتا يلم اندفلقو نميارك. Ceux qui survivent à l'enlèvement sont laissés sans un sou. La plupart finissent en détention, passant jusqu'à un an en prison dans des conditions inhumaines. Depuis le début de la guerre, l'OIM a rapatrié des milliers d'Éthiopiens, dont beaucoup qui étaient dans des centres de détention. Ils reviennent avec des blessures par balles, déshydratés et sous-alimentés, et le moral au plus bas. Les raisons et motivations des migrants sont principalement pour poursuivre leurs aspirations économiques, influencées par les histoires de réussite de leurs amis, familles et contacts à l'étranger. Les mineurs, certains âgés de moins de 11 ans, ne discutent pas de leurs projets avec leurs parents avant de partir. Ils pensent que ceux qui ont déjà quitté la Corne de l'Afrique se sont établis à l'étranger, ce qui, dans la plupart des cas, est faux. En plus des amis, les passeurs manipulent les jeunes et les personnes âgées en les incitant à migrer. Ils abordent les migrants potentiels des zones rurales et des petites villes et les recrutent en impliquant la politique « partez maintenant, payez plus tard ». Les jeunes peuvent alors partir sans avoir versé le moindre sou. En Éthiopie, les jeunes femmes qui rentrent des pays du Golfe dans leur village pour de courtes visites emmènent d'autres filles avec elles. Les femmes et les jeunes peuvent se rendre volontairement au Yémen dans l'espoir de travailler dans d'autres pays du Golfe, mais sont susceptibles d'être abandonnées au Yémen et exploitées, plus particulièrement s'ils ne sont pas en âge de travailler. Ils ont illégalement traversé la frontière et ne parlent pas la langue de leur pays de destination. Certaines des femmes secourues ont signalé qu'elles avaient été vendues comme esclaves sexuelles au Yémen et en Arabie Saoudite. Certaines lésions, infections ou maladies infectieuses qui pourraient facilement être évitées ou traitées par des médicaments et une hygiène améliorée peuvent devenir mortelles. Après avoir été expulsés du Yémen au bout de 6 mois de détention dans des conditions pitoyables, des centaines de migrants arrivent tous les mois au centre d'accueil des migrants de l'OIM à Obok et émettent leur souhait de rentrer chez eux. La situation du pays de transit ou de destination offre peu de possibilités. Les programmes de retour volontaire assisté, appuyés par l'OIM, peuvent aider les migrants qui ont besoin d'aide à retourner dans leur pays d'origine. En 2016, l'OIM a évacué plus de 3000 migrants éthiopiens par bateau d'Al-Hudaïda en Djibouti et plus de 500 migrants par voie aérienne. Les migrants ont été identifiés et enregistrés par les équipes de l'OIM et ont bénéficié de l'assistance médicale nécessaire ainsi que d'un soutien psychosocial et mental. Ils ont également reçu des trousses d'hygiène contenant des vêtements propres et des produits d'hygiène et ont reçu des repas chauds quotidiens. Les migrants ont assisté à des séances de sensibilisation couvrant des sujets tels que les risques de migration clandestine, la situation au Yémen, la traite des personnes et l'hygiène personnelle. L'OIM continue de faciliter le retour volontaire assisté des migrants en situation irrégulière dans leur pays d'origine et la sensibilisation aux risques liés à la migration clandestine. À nos frères et sœurs qui viennent des pays limitrophes pour partir au Moyen-Orient ou ailleurs, demandez vos sœurs et vos frères qui sont partis dans ce pays-là. Demandez combien de personnes sont mortes en traversant la mer. Il ne faut pas se précipiter dans l'affaire. De l'autre côté, ce n'est pas le paradis. Monsieur le directeur général de l'OIM,
distingués délégués, distingués invités, mesdames, messieurs, au nom du chef de l'État de la République de Djibouti, Son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, et à mon nom personnel, avant tout propos, j'ai l'honneur d'adresser mes sincères remerciements au directeur général de l'OIM pour l'invitation du chef de l'État de Djibouti à prendre part au 108e Conseil de l'OIM. Malheureusement, Son Excellence n'a pas pu se libérer pour cet événement du fait de son agenda très chargé, mais a tenu à ce que je puisse le représenter et a délivré le message suivant à cette importante réunion de l'OIM, compte tenu de l'ampleur qu'a pris la question migratoire pour notre pays. Mesdames, Messieurs, le 108e Conseil de l'OIM ainsi que les consultations qui se sont tenues en 2017 et se poursuivront en 2018 constituent un tournant important pour Djibouti, qui est parmi les pays pilotes du CRFF et a participé avec beaucoup d'intérêt aux préparatifs du pacte mondial sur l'immigration et du pacte mondial sur les réfugiés qui seront adoptés en septembre 2018. Comme vous le savez tous, la gestion du flux migratoire est devenue au fil des temps un phénomène qui constitue un enjeu planétaire qui concerne tous les États à travers le monde, directement ou indirectement. La population de l'Afrique compte aujourd'hui plus de 1,2 milliard d'habitants. Et parmi les 10 premières nationalités des migrants arrivant en Europe, 8 sont du continent africain. Parmi ces populations, des milliers de jeunes africains, voire même de mineurs, tentent clandestinement de gagner le pays du Golfe ou la Méditerranée à la recherche d'une vie meilleure avec tous les risques que l'on connaît. En dépit de cette prise de conscience, force est de reconnaître que les initiatives internationales, continentales ou régionales, sont bien en deçà des attentes. Il est communément admis sur le continent africain que la mort et l'exploitation des milliers de jeunes Africains sur les routes migratoires n'est pas une fatalité. Je suis convaincu qu'une gestion globale concertée de la migration serait un atout. Mon pays souscrit à la déclaration faite lors du sommet de l'OIA sur la nécessité de développer un agenda africain commun sur la migration, compte tenu de l'ampleur des défis que vit l'Afrique eu égard à la gestion de la migration interne, intra-régionale et internationale. Par ailleurs, je voudrais également remercier le directeur général de l'OIM pour sa déclaration liminaire ainsi que la vision qu'il énonce quant aux efforts particuliers pour les relever. Je saisis cette occasion pour renouveler notre entière collaboration et soutien dans l'accomplissement de son mandat à la tête de cette noble institution. Mesdames, Messieurs, mon pays, la République de Djibouti, depuis son accession à l'indépendance, à la souveraineté nationale en 1977, a accueilli un grand nombre de réfugiés
émanant des pays limitrophes, mais aussi des migrants irréguliers en situation de vulnérabilité. Ces migrants en situation irrégulière représentent aujourd'hui 13% en portion de la population nationale djiboutienne. Avec 23 700 km² et une population estimée environ à 900 000 habitants, sa situation géographique à la croisée des chemins dans une corne d'Afrique en proie à une instabilité chronique a très tôt tracé son destin de zone de transit et de destination. Il est estimé que plus de 250 migrants traversent journalièrement le territoire djiboutien, pensant aveuglément trouver une meilleure vie dans d'autres pays. Et c'est malgré la crise au Yémen. De plus, Djibouti comptabilise plus de 120 000 migrants qui vivent aujourd'hui en situation irrégulière et qui proviennent essentiellement des pays limitrophes. Notre pays se trouve aujourd'hui sur la voie de la croissance et du développement accéléré malgré de nombreuses adversités de toute nature, notamment d'ordre sécuritaire. Notre pays, au sein de la région, notamment dans la corne de l'Afrique et dans le monde, joue un rôle prépondérant dans la conciliation de la stabilité et de la paix. Mesdames et messieurs, malgré les défis auxquels notre pays est confronté face à ces mouvements irréguliers des personnes et l'impact sur nos structures publiques, notamment celle de la santé et des forces publiques, Djibouti continuera, au nom d'un engagement moral, d'adopter une approche humaine, empathique, envers ces nombreux individus qui sont en détresse et à la quête d'une vie meilleure pour eux et leur famille. Notre souhait le plus cher est que les États membres participant à la préparation du pacte mondial sur la migration s'emprennent de ces défis importants, surtout sur le continent africain, et s'accordent sur des cadres de protection de base pour les individus les plus vulnérables, tels que les enfants, les femmes, les migrants vivant avec des handicaps physiques et psychosociaux, et tout autre migrant exposé à des abus importants, parce que sur le chemin de la migration, il y a des abus, parfois très graves et criminels. Il est impératif que la réponse au défi de la migratoire soit collective, durable, basée sur des partenariats solidaires, un partage de la charge et des responsabilités, une coopération intra-régionale accrue. Le récent reportage de CNN, qui a choqué les citoyens du monde, à juste titre, sur la traite des êtres humains, en 2017, des êtres humains, leur exploitation a mis en lumière des pratiques d'un autre âge qui sont constitutifs de crimes contre l'humanité. Il est de notre responsabilité collective de trouver des solutions et des alternatives respectueuses des droits humains qui éviteraient aux migrants de s'exposer aux pratiques criminelles des trafiquants qui exploitent leur vulnérabilité. Monsieur le directeur général, je partage votre avis
sur le fait que, et je vous cite, le pacte mondial représente une occasion historique de réaliser l'objectif d'un monde où les migrants se déplacent par choix plutôt que par nécessité. Un monde de possibilités de migration par des voies sûres, ordonnées et régulières. Et un monde dans lequel la migration est bien gérée et représente une force positive pour les individus, les sociétés et les États. Monsieur le directeur, en effet, le phénomène migratoire qui est en soi, qui en soi n'est pas nouveau, ne devrait pas être réduit uniquement à sa dimension négative, mais devrait aussi être perçu comme une opportunité pour l'ensemble des États durant les négociations sur le pacte mondial pour une migration sûre, ordonnée et régulière. De protéger les droits de l'homme et particulièrement celui des migrants, notamment en combattant le trafic de migrants, le racisme et la xénophobie. Deuxièmement, redoubler les efforts collectifs au niveau régional et international pour les causes profondes de la migration, telles que la pauvreté, les crises humanitaires, les conflits ou encore les changements climatiques soient combattus. Troisièmement, accroître la coopération internationale et mettre en place des mécanismes régionaux et internationaux de gouvernance de la migration. Et quatrièmement, mettre en valeur la contribution des migrants au développement durable des pays d'origine. Depuis notre dernière rencontre, Monsieur le Directeur Général, la République de Djibouti a entrepris un ensemble de mesures destinées à renforcer et à consolider sa stratégie de gestion de la population migratoire dans son ensemble. Parmi les mesures entreprises, j'aimerais rappeler du haut de cette tribune la consultation nationale sur le pacte sur l'immigration qui s'est tenue en septembre dernier avec l'appui de l'EIM à Djibouti. La désignation du ministre de l'Intérieur comme coordinateur national sur les questions relatives à la migration, un comité interministériel qui a été mis en place à travers une approche participative et inclusive mènera dans un proche avenir l'adoption d'une politique nationale migratoire. Des mesures importantes prises pour l'accès à la santé des migrants à travers des patrouilles mobiles de santé, mais également l'assistance aux migrants avec une plus grande appropriation de la problématique de l'État à travers l'Office national pour l'assistance des réfugiés et des sinistrés. Monsieur le Directeur Général, Mesdames, Messieurs, avant de conclure mon propos, Je souhaiterais saisir cette occasion pour réitérer notre entière collaboration et soutien qui matérialise la volonté du gouvernement de la République de Djibouti pour une migration plus sûre, ordonnée et régulière. Djibouti reste engagé dans la recherche de solutions pour les défis de la gestion des phénomènes liés à l'immigration. Et à cet effet, notre pays a déjà annoncé sa volonté d'accueillir le prochain forum panafricain sur l'immigration en 2018. Je voudrais également finir mon allocution
en vous informant. Il n'y a même pas 30 minutes de cela, on m'a téléphoné de Djibouti et qu'il y avait 100 migrants jetés sur le littoral qui ont été refoulés du Yémen. Comme vous avez vu sur le film, je viens de recevoir un message à partir de chez moi. À l'instant que je fais le discours, n'est-ce pas, 100 migrants ont été refoulés du Yémen et jetés sur le littoral de la République de Djibouti. On nous dit, chaque fois qu'il y a un problème de migration irrégulière ou de réfugiés, attention Djibouti, vous risquez des problèmes de sécurité à cause de ces migrants ou de ces réfugiés. Non, non. Jusqu'aujourd'hui, depuis 1978, jusqu'aujourd'hui, la République de Djibouti reçoit des réfugiés et des migrants irréguliers. Nous n'avons jamais eu des problèmes de sécurité à cause de ces migrants. Et Djibouti, je vous assure, monsieur le directeur général, va toujours rester ses frontières ouvertes pour toutes les personnes qui fuient leur pays. Nous allons les accueillir. Et vous êtes là pour nous aider, n'est-ce pas? Nous allons continuer, malgré le risque de sécurité que cela représente pour certains pays. Nous, pour vous dire toute la vérité, nous n'avons jamais rencontré de problème de sécurité avec les migrants et les réfugiés. Ce sont des pauvres gens qui fuient leur pays, des femmes, des enfants, des vieillards. Fermer la frontière à ces gens-là, nous pensons que c'est criminel. Djibouti laisse sa frontière ouverte pour tous ceux qui fuient leur pays. Nous les accueillerons dignement et nous allons continuer de le faire. Je vous remercie de votre aimable attention.